C'est quoi ça? Oh. C'est quoi? C'est des chevaux? Non, en vrai, c'est les chevaux qui font ce bruit? C'est vous qui faites de... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une peau de cheval. Ils ont dû se faire attaquer par quelqu'un. Bah regardez. Oh, il y a un bébé cheval! Et il y a une hutte. Bah franchement, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. C'est rien du tout. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? On va mettre ça là. Non, mais ça, de toute façon, je pense qu'on va le jeter à terme. Et ça, c'est quoi? C'est des piles de bois. D'accord, super cool. Oh, il y a un ours! Je suis sûre que c'est lui qui faisait du bruit. Non, mais j'ai pas de quoi récupérer ce qui me lootera. Bah, il a pas l'air méchant. Il fait du bruit, mais il m'attaque pas, donc on va le laisser tranquille. Par contre, on a un autre village juste ici. Est-ce que ce serait pas plus pertinent d'être dans ce village vu qu'il est vachement plus près de la rivière? Je sais pas. Bon, en tout cas, les poissons. C'est ça qu'on cherche, hein. Peut-être les poissons, on n'en trouve pas dans les rivières. Je m'en rends pas compte. Je connais pas assez de modpack pour ça. En tout cas, pour l'instant, c'est vide, hein. C'est dommage. Peut-être qu'il faut qu'il y ait une certaine profondeur. On va aller là-bas, on va voir. Je pense qu'on n'est pas encore perdu, hein. On sait à peu près se retrouver. Voyons voir. Ah, il y a des chiens là. Enfin, des loups. Mais je vais dire des chiens parce que ça les différencie mieux des loups gris là, agressifs. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Une plante? Je veux pas de plante. Laissez-moi tranquille avec vos plantes. Toc, tu viens là. Tu viens là. Qu'est-ce que c'est ça? Rice, c'est du riz. D'accord. Bah oui, ça pousse vers l'eau, c'est logique. Va falloir que j'arrête de garder tout ce que je trouve. Et là, il y a de la profondeur, il y a forcément des poissons dans le coin. J'en vois aucun. C'est peut-être pas la priorité, les poissons. C'est le poulet qui fait ce bruit? Ah, il y a un autre truc de chocotte là. Bon, écoutez, moi j'ai pas envie de chercher des poissons pendant 107 ans. Donc on va rentrer à la maison. Pour autant qu'on arrive à rentrer à la maison. On va se faire un coffre. Puisque c'est un truc qu'on peut faire. Et je pense que clairement on va en avoir besoin. On va peut-être même faire plusieurs coffres. On va voir si c'est difficile ou pas. Oh. Qu'est-ce qui grogne? Je le vois pas. C'est bizarre. C'est un truc de chocotte, ça encore? On dirait bien. Ah bah oui. Ben on va les laisser tranquilles, hein. Clairement, on va les laisser tranquilles. J'ai pas le niveau pour ça pour l'instant, hein. Alors, est-ce que j'ai à manger? Oui, on va manger des carottes. Ok, nice. Bon, on rentre à la maison.
Puis si on croise des poissons, bah tant mieux. Mais au pire, bah tant pis. Les chiens, normalement, ils devraient pas m'attaquer. Et même si j'ai des os, ça marche comme les chiens vanilla. Je pourrais les apprivoiser. Ah, il y a une jolie grotte, là. C'est quoi, ça? Des jolies fleurs. Je pense que c'est juste des fleurs. J'ai peur qu'il y ait des poissons que dans la mer. Oh. Il y a un petit bug, là. Ah, il y a du zombie. Je sais pas où, mais il y a du zombie. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Oh, le leur cool. En vrai. Bon, ici, est-ce qu'on a des trucs? Hein. Salut. Ah, des villageois. Plume, bon, je peux prendre, j'en ai déjà, ça ne me remplit pas plus l'inventaire. Ok, bah ouais, c'est bien qu'il y ait un deuxième village ici, mais je pense pas qu'on en ait besoin. Encore que, on a dit qu'on voulait rester proche d'un village et proche de la mer, et lui, il est vachement plus proche des deux. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un bébé! Oh, ok, si je m'approche de son bébé, elle a peur. Ou peut-être je me suis trop approchée d'elle, je sais pas, on va rester loin. Pardon. Alors, c'était où la maison? En vrai, il n'y a pas grand-chose à la maison, mais on va quand même y retourner. Les chevaux, c'était en face, hein. On avait traversé pour aller voir les chevaux. Là-bas, on a le joli arbre, la maison, elle est là-bas. C'est pour ça qu'il faut laisser les jolis arbres, c'est des points de repère. Commence à faire nuit en plus. Mais ça va, j'ai l'impression que les nuits elles sont plutôt tranquilles. On est sur des nuits paisibles, je dirais. Alors, la maison. Elle est là-bas. La maison temporaire. Hein, qu'on s'entende bien. Ouais, alors si je commence à faire des coffres là-bas, par contre. J'abandonne tout de suite l'idée de me décaler dans l'autre village. Ah, je sais pas. Non, je pense que je vais quand même faire un coffre pour mettre 2-3 bouses et puis au pire je ferai un aller-retour. Peut-être qu'on peut les tenir, les coffres. Les déplacer avec le contenu, je sais pas. Je sais que c'est possible quand on est assez avancé sur certains modpacks. Ici, je sais pas. Faudra tester. Mais... ce serait bien que je garde une carotte pour pouvoir la planter après. Tac, on va prendre quoi? Ça. Plonk, plonk. Ok, donc, qu'est-ce qu'on était venu faire? Le poisson. Le poisson, on s'en fiche, ça nous permet pas d'accéder à plus tard. Ça, par contre, il nous explique en gros qu'on va avoir besoin d'échanger avec un villageois pour obtenir ce genre de choses. Dans les faits, pas forcément, ça je me souviens. Si on regarde Farmland, on peut l'avoir effectivement en faisant un trade, mais on peut aussi l'avoir en prenant de la dirt et en mettant de la bonne mille. Et la bonne mille, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir tout de suite, mais on pourra vite l'avoir, mine de rien. Et moi, ce que je vais faire, c'est un grind. Il nous a dit de faire évoluer notre feu, notre fire pit, que d'ailleurs j'ai pas allumé, en faisant un grind. Donc il nous faut 6 stones et un stick. Pour avoir de la stone, il va nous falloir un kiln. Et pour avoir un kiln, comment on fait un kiln? Il nous faut de la clé, super. Et une slab. Et donc pour avoir une slab, il nous faut 3 cobbles. Fiouf! Ok, bah on va se... Attends, non mais c'est pas ça la priorité. La priorité c'est de faire un coffre. Chest. Voyons voir. Oh bah ça va, c'est super simple. Donc on va mettre ça là. 1, 2, 3, 4... Bah dis donc, c'est pas ça l'outil? Ah ça c'est le tomahawk, c'est pas la hachette. Ouais, je suis sûre que ça marche aussi bien, franchement. 1, 2, 3, 4, bah 4 c'est bon. Tac, tac. Ouais, c'est... alors ça coûte pas très cher, mais j'ai pas beaucoup de bois, alors
Après, il y a tout celui-ci. Je pense qu'on va utiliser ça. Alors, on met ça ici. On récupère le petit caillou, là. Hop, on range le caillou. Ok, on a un coffre. On va le mettre là. Ah, super. On n'était pas parti... Non, on n'était pas parti avec des torches. Il va falloir qu'on récupère plus de plants de fibre. Et ici, on va mettre tout ce qui, pour l'instant, ne nous sert pas. Donc ça, c'est quoi l'utilité? Je ne sais pas. Donc on va le ranger. Hop. Ah ouais, c'est particulier comme rangement. Alors, on a quoi d'autre? Coffee bean, clairement. C'est pas utile. Coffee seeds. Ah, c'est marrant d'avoir les deux. Là, on a du riz, des graines de riz. Tac, on va mettre là. On a le riz en lui-même. On va mettre ici, je sais pas trop ce qu'on pourra en faire. On a les graines de blé, on a le blé en lui-même. Tac, on a le barley. Tac, qu'on pourra transformer à terme en poudre, en farine quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on va le garder. Les plumes. Les plumes, je crois qu'on en aura besoin. Ça, non, par contre. Tac, ça vient là. La peau, pas tout de suite. Plante, on garde, évidemment. Ça, je crois que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Faudrait qu'on le pose, notre fire pit, sinon il sert à rien. Ok, bon, ça c'est bon. Par contre, un truc que je connais des modpacks, c'est les racks. Alors, l'item rack, ça m'intéresse pas du tout, mais le drying rack, ça c'est très intéressant. Donc il nous faut des slabs. Et comment on fait des slabs? On met trois planches ensemble. Ok, donc on va essayer de se faire... Je sais pas si on peut mélanger les couleurs, donc dans le doute, on va essayer d'utiliser que ce bois-là. Ok, donc si on en met 3, 1, 2, 3, et qu'on prend le caillou. Ok, donc on a ça. Et ensuite, on en met 3, c'est ça? Et on obtient un dying rack. Ok, ça c'est bien. On va le mettre juste au-dessus et on va mettre notre rotten flesh à sécher. Voilà, donc comme ça, ça nous fera de la nourriture, ce qui va être plutôt pas mal. Autre truc pour se faire de la nourriture, moi je sais pas trop comment utiliser le fire pit. En fait, je sais surtout pas comment l'allumer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire ça à l'intérieur. Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire à l'intérieur. On a déjà vu tout à l'heure qu'en faisant à l'extérieur, c'était déjà une mauvaise idée. Alors imaginez à l'intérieur. Ok, donc, comment ça s'allume? Peut-être avec des silex. Ça me paraît très logique, en vrai. Sinon, avec les sticks là, de tout à l'heure. Un là, un ici. Wow! Ah oui, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Peut-être il faut que je prenne une torche. Allez, tiens, on va prendre celle-ci. Comment on allume? Je sais pas du tout comment on allume. C'est quoi ça? C'est de la clé? Oh, trop bien, je pensais qu'on aurait besoin d'aller dans la rivière, mais non, on en a là. Bah écoutez, on va pas se priver, hein, franchement. En plus, voilà la quantité. Par contre, je pense qu'on va reboucher après, avec la cobble, pour pas tomber dedans. Tac. Ok. Et potentiellement, voilà, on va faire ça, histoire de se faire une zone un peu plus sympa. Ok, ça va partir à terme, je pense. Donc, je sais pas trop comment faire ça. Donc, on va faire autre chose. Tac, 1, 2, hop, hop. On a dit qu'on allait regarder comment faire le kiln. Ce nom est trop bizarre. Kiln. Donc, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une slab cobblestone. Ouais, slab cobblestone, c'est faire, c'est bon. On manque juste un peu de cobblestone. Tac, tac. Et on peut peut-être utiliser celle-ci, comme ça on la jettera quand on l'aura bien utilisée. Alors, vous voyez rien, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais juste chercher un de cobblestone. Voilà. On va remettre la torche, tant qu'à faire.
Oh, ça va pas être centré si je mets là. Bah là non plus. Oh, ça va être nul. Bon, on va s'arranger pour que ce soit centré et que ça fasse joli. Ça, on va le mettre ici. C'est important le design. Ça donne pas toujours le même nombre de blocs. Comment on fait? Plant twine. Tac. Hop. Ok, et du coup, on va mettre un au milieu ici, un au milieu là, un au milieu ici. Alors, voyons voir. Ouais, ça c'est toujours pas top, mais c'est mieux que rien. Hein? On va partir de ce postulat. Ah, tiens, je pense que j'ai trié mon inventaire sans faire exprès. Ça, on va le garder. On va mettre les trois slabs par là-bas. Enfin, les trois cobblestone pour faire une slab. Le caillou, il est là. Ok. Donc ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait un kiln avec un kiln. Avec ça. Ouais, super. Et donc ce truc-là, cooktop. Ouais, on va pouvoir cuisiner. Je regarderai pour le prochain épisode comment on fait pour utiliser le fire pit. Pour l'instant, je sais pas. On va le mettre où? Est-ce qu'on le met sous le sol ou pas? Non, je pense qu'on va le mettre en dessous. Tac. Donc, on va prendre ça, on va mettre là. On va mettre un bloc ici, juste pour servir de support. On va mettre ça là. Voilà, donc là on a notre kiln. Le but c'est de faire du feu en dessous. Et dedans, on va mettre ça. Voilà. Donc hop. Ça ici, ça là. Donc là, il y a deux choses qui vont se passer. Un, on allume le feu. Deux, ce kiln va cuire. Pour l'instant, il peut pas servir de. On va dire que c'est un four. Il peut pas servir de four pour l'instant. Donc la première étape, c'est de le faire cuire. Bon, on va utiliser du bois, c'est pas grave. Et une fois qu'il sera cuit, on pourra l'utiliser pour faire cuire des trucs à l'intérieur. C'est de la clay, hein. Ça c'est un concept qu'on trouve hyper souvent dans les modpacks. Tout ce qui est en clay, il faut les faire cuire. Sauf que lui, on ne peut pas le faire cuire dans un four vu qu'on n'a pas encore de four, que c'est lui le four. Donc on va attendre. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Là, il est cuit. Donc l'idée, c'est qu'il nous cuise ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir. Allez. Allez. Voilà, super. Donc on récupère ça. Tac. On récupère ça. On met ça à la place. On se refait deux petits sticks. Ouais, ça on va en utiliser. Et on met ça là. Voilà! Et si jamais vous n'avez pas remarqué, ça s'appelait Eternal, je sais pas quoi. En gros, c'est pour avoir du feu de manière éternelle. Donc c'est quand même un peu plus pratique. On le protège, donc là ça veut dire que nous, on est tranquille, on peut utiliser ça sans avoir à craindre le feu qui est à côté. Ça, on verra comment on l'utilise. Ok, on en est où de notre avancement? C'était où? C'était là. Ok, super. Ah, faudrait qu'on fasse ça aussi. Et il faut qu'on trouve. Alors. Ah, on n'a pas fait ce truc-là. On va faire ce truc-là, faut qu'on fasse ça aussi. Mais ça va me demander pas mal de choses. Donc ça s'appelle un strainer. Ça va être hyper important, vous allez voir pourquoi. Strainer. On va essayer de faire les deux. Mais pour faire ça, il nous faudra des strings. Je crois que les strings, on peut en obtenir auprès des villageois. Voyons voir. Salut, ok, pas toi. On va trouver tes copains. Ah, il y en a un là-bas. J'espère qu'ils vendent pas la même chose. En vrai, il y en a plein qui vendent ça. C'est pas intéressant. Salut! Voilà, absolument pas intéressant. En plus, ça coûte une blinde, quoi. 22 pour un shogot machin chose. Bah, je préfère tabasser du shogot, hein. Peut-être ça se dit Chogoff. Je sais pas, je m'en fous, mais je vais dire Chogoth. Alors, oh, on a un puits ici.
Ah, j'entends un villageois. Tu es où? Tu es où? Vous êtes où? Ah, toi t'es là. Oh ouais, mais toi t'es... Ouais, toi c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ah, mais ceci dit, c'est cool. Faudrait que je lui ramène des peaux de lapin, des peaux de d'animal, d'accord? Des peaux de loup, 4, et peaux de mouton. Mais je veux pas des moutons, moi. Bon, et les autres villageois, ils sont où? On va continuer à péter du caillou autant qu'on peut. Il doit y en avoir un là-dedans. Mais il est coincé, si. Mais oui, il y en a deux là-dedans qui sont coincés. Ok, bah les gars, écoutez, je vais faire un truc qui est pas très réglo. Je vais venir et puis je vais vous laisser enfermer à l'intérieur. Parce que pour moi, c'est la garantie que vous ne vous échappiez pas. Hop, alors. Bah évidemment. Et toi? Ah, super, de la bonne mille. Bon, c'est pas ce que je recherchais, mais c'est bien de savoir qu'il y a un fermier à l'intérieur. Ok, faudrait trouver une solution pour que les villageois rentrent ici. Et comme ça, eh ben, on n'aura pas de problème de villageois qui meurent. Toi, non, là, il n'y a personne. Ici. Ah, ici, il y a toi. Bah ouais, donc on a les plumes, ça c'est bon, il faudra qu'on ait les ink sacs. D'autres villageois, s'il vous plaît? Non. Ah, toi. Attends. Ah, encore la même chose. Non, moi je veux des strings en vrai. Ok, lui il est super important. Et toi, voilà, c'est ça que je veux. Donc 5 strings, pour ça il me faut 5 points. Ah, les points c'est bien parce qu'on peut en obtenir plein facilement. De la stone, s'il vous plaît. Bah, hé, pas s'embêter. Ok, là on en a déjà 5, ça veut dire que si on utilise ce truc-là à chaque fois, on peut en avoir 10 peut-être. On n'a eu que 5 tout à l'heure, on en a eu 2, ça devait être un rare drop. Ok, 5 encore. Ouais, c'est un rare drop. Bon, c'est toi, c'est ça? Ouais, super. Tu vas nous donner 10 ficelles. Et franchement, j'en voudrais un peu plus, donc si t'as moyen, ça me plairait pas mal. Il faut que je récupère plus de gravier. Et je peux planter ici. C'est un peu loin, mais c'est pas grave, je peux planter. Ouais, j'aurais dû planter la carotte. Bon. Est-ce que ces ficelles-là, ça me suffit? Oh oui, il en faut que 3. Franchement, ça va, c'est cool. Donc, on retourne à la maison. Ici, on va mettre ça, ça, ça. Il est où le caillou? Il est là. Ok, ça c'est good. Ensuite, il faut qu'on mette des sticks tout autour. Donc, vendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, non, mais il faut d'abord qu'on mette le truc au milieu. Tac. Ok. Et ensuite, il faut qu'on fasse une base. Oh, c'est super cher. Bon, faut qu'on fasse un coffre. Le coffre, c'est pas trop compliqué. Je crois que je vais avoir un problème avec le hopper, à mon avis. Mais c'est pas grave. On va déjà avancer sur ça. Et puis, on s'occupera des problèmes après. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de bûches entières. Donc, on va toutes les casser. On va faire ça, hein. Ça ira plus vite. Ok, alors, les planches tac, qu'on va mettre tout autour d'un caillou. Tac. Ok, ça c'est good. Et donc il faut qu'on fasse un hopper. La surprise. Oh, ça va, franchement. Cobweb, comment on fait ça? Ok, donc il nous faut 1, 2, 3, 5 strings et 4. Oh, c'est cool. 1, 2, 3, 4. Allez, 4, 5. Et par contre, j'aimerais bien voir
ce qu'on peut obtenir avec ce truc. Ok, ça non, ça oui, ça non. Donc c'est celui-là qu'il me faut. Et celui-ci, il se fit avec un danse. Un danse, c'est avec 6 strings. Ça m'en fait deux. J'aurais dû faire ça d'abord. C'est pas grave, on va rééchanger de la ficelle et ça va le faire. Tac. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc c'est ça là-haut. Et... ah non, il y a un wooden hopper au milieu. D'accord. Oh, c'est long. C'est super long. Et donc pour faire le wooden hopper, il nous faut un coffre. D'accord, un coffre entouré de trucs. Donc il va falloir un autre coffre. Ouais, le moins de trucs, ça demande super longtemps. Ok, premier hopper, c'est bon. Et du coup, j'ai besoin d'arbres. Donc on va péter les arbres qui sont là-bas. Have it your way. Yes. Est-ce que j'ai fait comme achievement? Ah bah oui, celui-ci. Et là, je cherche pas à avoir des sticks, donc c'est pas trop grave si je pète les arbres directement. Ce qu'il me faut, c'est surtout des bûches. Ok, donc là, c'est bon. On va replanter, hein. On est un éco-citoyen. Oui, il y avait déjà des éco-citoyens à cette période. En fait, ils existaient à cette période, ils ont disparu avec le temps. Tragique. Cela dit, je sais pas si on parlait de citoyens à l'époque. Ok, donc là on est bon. On va replanter des arbres. On est quelqu'un de bien. Hop là, ok, on a des bûches. Donc apparemment, si je prends bûche et ce truc là, j'obtiens ça, il m'en faut 5. Et ça me donne des bûches à poil. Logique. Oh, commence à faire nuit. Il faut que j'aille me chercher du gravier avant qu'il fasse trop nuit. Et puis si je peux trouver de la nourriture, voilà, comme ça, c'est parfait. Hop, il y a des carottes. Carottes, il faut que j'en garde au moins une. Puis il y a une pomme aussi. Hop. Ok, non, ça va, je vais pouvoir survivre avec ça. Là, qu'est-ce qu'on a qui a poussé? Ah, je pense que c'est une plante, ça. On s'en fiche un peu. Carotte! Hop là. C'est cool, il y a des trucs partout qui poussent. Bon, c'est la nuit, vous y voyez plus rien. On va se dépêcher d'obtenir notre gravier. Puis une fois qu'on aurait tout fait, on déménagera. Logique. Là, il n'y a rien. Peut-être que les poissons, ils vont venir au bout d'un moment. Je garde espoir. Donc, c'était où le gravier? C'était pas loin. Hein. Là. C'était pas là, mais on en a là. On s'en fiche, c'est bon. Ok. On va essayer d'en trouver un peu plus. Là, on en a. Ok. Et donc là, on a autre chose. On a du sel. On peut en prendre un peu aussi, si on a de la place. Ouais, on a de la place. Pas beaucoup, mais on a de la place. Ouais, c'est du sel. Ça nous servira plus tard. Allez, on rentre à la maison. Il y a le bel arbre. La maison, c'est tout droit. Et puis si on peut croiser de la bouffe sur le chemin, on se fera plaisir. Là, il y a du blé, mais le blé tout seul... ah, il y a des carottes. Oh, il y a plein de carottes. Hop, il y a des baies, il y a plein de baies, c'est trop cool. Il
va essayer de pas tomber quand même. Franchement, il y a très très peu de mobs. C'est étonnant même à quel point il y a peu de mobs. Bon, on ferme. Le but, c'est de transformer notre gravier. Ah oui, il faut qu'on récupère le machin là. Donc, ça c'est quoi? Oups, ça va là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a récupérées qu'on avait déjà? Je crois que non. Donc, hop, toi tu viens là. Tout le gravier, on le transforme en flint. On n'a vraiment pas besoin de gravier pour autre chose que pour faire du flint. Et maintenant... Dix. Ok, moi 10 ça me va. Ok, 10 aussi. On peut aller retrouver le villageois. Il était par là-bas. Est-ce que c'était toi? Non. Il me semblait bien aussi que c'était un qui était plus loin. C'était toi? Oui, super. Hop. Super! Ok, on rentre à la maison. Faudrait qu'on se fasse des ciseaux aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est encore le café, ça. Je me rends pas compte si c'est pertinent ou pas d'avoir des petits buissons à café comme ça. On va manger. Un peu la dalle. Alors, pour faire les danses, c'est 6 toiles d'araignée. Oh, c'est cool, on va en pouvoir en faire plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Nickel. Bah du coup, en attendant, on va mettre ça là. Tac, allez, toi tu viens, comme ça on a la place. Ok. Et donc ça, on avait dit qu'il nous fallait ça, et pour ça il fallait la cobweb. C'est bien, ça va faire la place dans l'inventaire. Tac, le hooper. Tac. Et ces trucs là. Hop, hop, hop. Petit coup de caillou. Nickel. Donc on a ce truc là, ça c'est cool. Est-ce qu'on ferait pas un deuxième coffre tant qu'on y est? On pourrait se faire un deuxième truc comme ça. Vu qu'on a ça et que ça, pareil, on en a deux. Peut-être. Pourquoi j'ai un... Attends, j'ai foiré quelque chose, là? Ah non, j'ai juste fait le hooper. Oui, ok, c'est ma faute. Tac. Ok, donc là j'ai fait l'hooper et avec l'hooper, voilà, c'est pour ça qu'il y avait besoin d'un chest, je me disais aussi. Ok, donc on met ça là, ça ici, et le reste c'était quoi? C'était 4 planches et 2 sticks. Bah ça tombe bien, on a 4 planches. Ça vide l'inventaire. Stick, bon on en a un peu plus, mais de toute façon les sticks on s'en débarrasse pas. Ok, coup de caillou. On range le caillou. Super! Bon, on a ça, mais ça, on va pas s'en servir tout de suite. Celui-ci... ah, on a plus assez de sticks! Ah, c'est pas cool! Bon, il y a des arbres partout. On va péter des feuilles. Ouais, ça va pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas besoin de beaucoup plus. Alors, voyons voir. Tac. Ok. Toi, tu viens là. On va en faire deux, mais vu que c'est un nombre d'utilisations limité, c'est pas gênant d'en avoir un en rab. Tac, le caillou.
recommence. Yes. Ok, cool. Et est-ce qu'on se referait pas du coup, hop, un petit coffre pour de vrai cette fois? Oh, ah oui, d'accord, c'est bon. Je me disais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le petit caillou qui va bien. Petit coup de pierre. Hop là. Et on met à côté. Donc, aucune logique dans ce tri. On va mettre les olives parce que globalement, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Les œufs, ce serait bien qu'on les garde. Faut qu'on fasse le truc là qu'ils nous disent depuis tout à l'heure de faire. Comment ça s'appelle ? Le truc qu'il faut mettre au-dessus du feu. Ah, voyons voir. C'est là. Le grill. Oui, c'est logique. Le grill. Alors. 3 cailloux, 3 stone. Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'on avait fait ça. Donc on va chercher 3 cobblestone. 1, 2, 3. Hop. On fait chauffer ça. Bon, pour le coup, c'est pas ce qui est le plus rapide, mais au moins, ça fonctionne. Tac, on met ça ici, et dès que c'est cuit, on continue, etc., etc. Pfiouf ! Franchement, je trouve qu'on avance bien. C'est cool. Ça, on peut peut-être l'utiliser pour boucher, genre, ici, et là. Voilà. Comme ça, ça nous libère un peu de place. La bouffe, c'est bon, on n'en a pas besoin. Ici, on va surveiller. Oh, ok, ça, c'est bon. C'est pas très long, en fait, hein. Hop, on met le deuxième. On va déjà placer les cailloux. 1, 2, 3. Ensuite, bah du coup, on en a un. Tac. Caillou, on va le mettre ici. On le garde à dispo. Et comme ça, on pourra se faire à manger, vu que je sais pas comment allumer le feu. Hop. Et toi, tu viens là. Clunk. Allez, vas-y. Par contre, ouais, on va faire ça là. Tac. Ok, là c'est bon. On va mettre une bûche dedans. Parce que le grill, c'est pareil, ça a besoin de feu pour fonctionner. Et du coup, il va falloir qu'on se refasse des petits sticks pour allumer le feu. Ok, le grill, c'est bon. Donc, première étape, récupérer ça. Ensuite, se faire du feu. Tac, 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 tac. Il y en a un qui va là. Hop, l'autre qui va là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas en dessous. On met ça. Hop. Hop. Ok. Normalement, on devrait... Ouais, c'est bon, on se crame pas. Alors, on va pouvoir faire des œufs. Ça, c'est cool. Hop. Ok. Donc, on a mis 3 œufs et ça va nous permettre d'obtenir 3 œufs cuits. Par contre, je pense que je changerai le sens parce que j'aime pas trop dans ce sens-là. J'espère que si je le casse, je récupère... je récupère le truc et qu'il flambe pas. Ouais, alors, je peux pas le manger pour l'instant, mais... On a des œufs qu'on va pouvoir manger, et ça c'est cool. Ça on va le laisser parce que sinon je vais me retrouver encore plus de trucs dans l'inventaire et j'ai absolument pas besoin de ça. Et il va falloir qu'on pose ce truc. Pourquoi j'ai encore 2 œufs? Bon, on s'en occupera plus tard. On va au point d'eau. On va poser ce truc. On va récupérer de l'encre de calamar. Nous en faut 10, je crois. C'est beaucoup 10 quand même. Et avec cette encre, on va pouvoir faire un échange avec le villageois pour obtenir une carte. Voilà, pour obtenir une carte et ça, ce sera génial. Ah, il y a de la rhubarbe ici. Non, c'est pas de la rhubarbe. C'est des... Comment ça s'appelle? Des beetroot. Des beetroot. Bah, c'est, ça doit être de la betterave, je pense. Ok. Je pense qu'il faut que ce soit un cran en dessous. Look.
Et voilà, le danse. Et du coup, ce truc-là, ça va fonctionner. Il n'y a pas besoin de... Bah, voilà, il y a déjà du sable qui est rentré dedans. Et globalement, si on attend un peu, on va voir que ça va nous rapporter de plus en plus de trucs. Des sacs d'encre, et ça c'est super important. De la canne à sucre, ça peut être cool. Des shark tooth, c'est très cool. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Et le gravier, ça peut toujours être bien, ça évite d'avoir à le ramasser soi-même. C'est quoi ça? Show recipes. Ah oui, d'accord. Bon, et eh ben on va le laisser travailler un peu. Nous on va manger un œuf parce que on a des œufs, donc on en profite. Tac. Allez, je veux voir s'il y a des trucs. Oh, bon, ça avance pas très vite, mais c'est pas grave. Hop, on va le laisser travailler. On va retourner à nos petites affaires.